l'été, la SDC Hochelaga-Maisonneuve organise le show de ruelle qui réunit ici même au Parc Morgan famille et amis autour d'une bonne bière et d'une bonne bouffe. Et ce soir, on a droit à la prestation de Bernard Adamus. La smoke à mon bec me rappelle l'odeur de ta mère. Les mots pour la marque de chante sans refrain. Parole du quartier Hochelaga depuis peu. Qu'est-ce que ça comprend pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça comprend tout, Hochelaga. C'est ça que je trouve beau d'une certaine manière. Autant t'as des jeunes familles qui s'installent dans le quartier parce que c'est encore un quartier qui est super abordable. T'as des gens qui sont ici, genre, depuis 60 ans. Eux autres ont leur endroit, leurs petites habitudes. Moi, je trouve que tout ça fait en sorte que Hochelaga est vivant et divertissant aussi pour moi. Mais parle-moi justement de la soirée de ce soir, chaud de ruelle. Qu'est-ce qui se passe ici dans Hochelaga, là? Moi, ce que je trouve le plus fun des shows de ruelle, c'est des artistes québécois qui sont ici. C'est quand la dernière fois, t'as entendu parler d'un artiste faisant un show dans une ruelle? Presque jamais, pour vrai. Ça, c'est le fun. Deuxièmement, depuis quand t'as entendu parler que les gens allaient dans les ruelles? Tu sais, on se réapproprie les ruelles. Il y a plein de gens qui sont là. Tout le monde est en famille. Nous, on est venus avec les enfants. Hein, Simone? Est-ce que t'as hâte de voir un spectacle ce soir? Oui. T'as hâte de manger? Oui. Qu'est-ce que tu as le plus hâte, voir le spectacle ou manger? Les deux. C'est un bel événement familial, je trouve, mais c'est en plus, t'as les familles, t'as des jeunes, t'as des adultes qui sont là parce qu'ils aiment le spectacle et qui va être présenté. Je trouve que c'est un beau rassemblement. Mais tout coule, tout recommence. Ariane, c'est la première fois que tu viens ici au show de ruelle. Comment est-ce que tu trouves ça jusqu'à maintenant? Honnêtement, je trouve ça vraiment le fun. Le crowd est cool. C'est autant super familial que comme petits couples qui sont ensemble, gang d'amis, la nouvelle bière en plus que j'avais jamais essayée. Fait que c'est super cool. Et t'es ici, j'imagine, aussi pour le spectacle un peu plus tard? Ben oui, absolument, c'est sûr. Bernard Adamus, c'est tellement un personnage, je trouve que j'ai vraiment hâte de le voir. Jamais vu en show, fait que très excitée. Et toi, t'habites le quartier depuis peu? Oui, exactement. Je viens juste de déménager, puis j'adore, là, tu sais, de ne pas avoir jamais à prendre ma voiture. Je viens comme de la banlieue un peu plus, fait que juste de marcher partout, toujours plein de bars, restaurants, c'est très, 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 très cool. Martin, ce que je vois ce soir, c'est la haute gastronomie, hein? Hey, on se garde. On est allé chez Chose, il y avait un line-up. Mais je pense que ça vaut la peine. Le line-up est aussi grand que la saucisse, en fait. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un bel événement. Il fait beau, il fait chaud. T'as amené tes filles? Oui, mes deux filles sont là. En fait, je suis assez surpris de la quantité d'êtres humains qui est sur place. Je m'attendais à ce que ce soit le fun. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde. Mais là, je suis vraiment, vraiment ébahi par la quantité de personnes. Oui, et j'imagine que tu es ici un peu aussi pour le spectacle. Un peu beaucoup pour le spectacle, évidemment. Je pense que c'est le cœur de l'événement. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est pas fini. Si vous avez manqué la soirée de ce soir, il y a une autre soirée encore qui s'en vient. Hein? La dernière soirée qui se trouve à être le 18 août, c'est Mononcle Serge qui va être là. Toutes les shows, c'était cool parce que c'est vraiment des shows où ça vire quand même pas mal. Dans le même secteur, il va y avoir les 20-21 août, la Grande Fabrique. C'est les meilleurs créateurs du Québec qui sont ici. C'est genre la grande braderie sur la rue avec comme plein de choses à manger, l'alcool, tout le monde qui s'amuse. Solitude, les détours de l'amour, les cul-de-sac au lever du jour.